Contact, rencontre galactique, la deuxième année. Nous serons de retour et peut-être des visiteurs nous rejoindront. C'est une conférence extraordinaire qui va avoir lieu cette année, deuxième édition des rencontres galactiques. Mais je vais laisser la parole à Chris Esson qui va tout nous expliquer. Chris, bonjour. Bonjour Elena, bonjour à tous. Eh bien, on avait organisé une première édition l'année dernière à Tours, qui a été un succès extraordinaire, au-delà de mes espérances. Et cette année, j'organise avec une personne qui m'aide, qui travaille énormément, qui s'appelle Agnès, qui avait déjà aussi organisé la conférence l'année dernière. On organise la seconde édition, qui a lieu près de Valence, dans un domaine magnifique, et on va avoir un plateau, eh bien, encore plus extraordinaire que l'année dernière. On avait déjà mis la barre très très haute. Eh bien là, eh bien, on aura toi, bien sûr, Mélanie, Jean-Charles, David, Michael Sala qui viendra des États-Unis, Tony Rodrigue qui viendra des États-Unis, Dan Willis qui sera en visio, et moi-même, et des invités surprises aussi. Voilà, donc une conférence dans un lieu magnifique, avec une possibilité de faire un spectacle aussi à la clôture. Et on espère, on a eu un contact l'année dernière à Tours, il s'était passé quelque chose d'extraordinaire au moment de la clôture, où tu avais eu en direct. Tu étais connecté à toi, tu as reçu l'appel de Toran, et après l'appel de IA. Donc c'était un moment inimaginable. Donc on s'attend à ce qu'il y ait encore quelque chose d'encore plus grand cette année. Donc c'est un événement à ne pas manquer, à ne manquer sous aucun prétexte. Voilà. Je te sens très émue, Chris, Ah en écoutant oui. tout cela, parce que C'est tu as clair. mis beaucoup de toi-même dans l'organisation, mais il y a aussi une équipe derrière, notamment Agnès, qui s'est occupée de la conférence l'année dernière. Donc, personne aussi extraordinaire. Et certains des conférenciers sont là avec nous, David Rousseau, Mélanie Charret, Jean-Charles Moyen. Donc, David, qu'est-ce que tu attends avec impatience au sujet de cette conférence numéro 2? Ah ben, oui, c'est sûr que là, c'est un événement qu'on attend tous, je pense, on trépigne par rapport à ça, parce que c'est vrai que Chris, comme tu le disais, donne beaucoup de son temps, de son énergie avec Agnès, tout ça, pour pouvoir organiser ce genre d'événement. Et c'est quelque part, c'est grandiose de voir ça en France, et notamment en plus que maintenant, il y aura Michael Sala, Tony, enfin bref, ça va être waouh, j'ai pas de mots. Jean-Charles, qu'est-ce que... Ah, ben, ça va être un salut. Bonjour à tout le monde. Ça va être un grand moment et ça fait très longtemps que ça mijotait dans la tête à Chris. Chris est venu nous rencontrer à Orlando pour la deuxième fois et puis il a eu justement l'opportunité de passer la soirée en tête à tête avec Michael Sala où ils ont discuté à bâton rompu des projets qu'il y avait en France et de faire venir Michael comme conférencier, ce qui n'est jamais arrivé. C'est la première fois au monde que ça se passe et on est bien heureux qu'il soit présent physiquement pour pouvoir expliquer un petit peu les connaissances qu'il a sur le sujet des programmes spatiaux secrets et autres divulgations. Donc c'est un grand honneur qu'il soit là, ainsi que Tony et Dan Willis aussi, qui va être en différé. Ce sont des personnes solides comme le Rock, qui sont ce qu'on appelle des premières mains au niveau renseignement et que le public français va adorer puisqu'ils sont d'une simplicité et d'un naturel incroyable. Et ces gens-là, en plus d'être des conférenciers hors pair, sont des amis très proches. Et je suis très heureux que Chris et Agnès aient la possibilité de faire venir ces gens de grand nom dans la divulgation. Alors, je peux présenter effectivement, très bon, Michael Sala, là, c'est la figure
le référent dans l'exopolitique au niveau mondial, avec toute sa série de livres hein, sur les programmes spatiaux secrets, et maintenant sur son informateur JP, qui lui donne toutes les informations qui viennent corroborer ce que donne Elena comme information. Et alors Dan Willis est aussi un intervenant majeur dans ce processus de divulgation. Il faisait partie de l'équipe des 21 témoins de la conférence Disclosure Project en 2001 avec le docteur Stephen Greer. Donc c'est l'un des témoins avec qui je travaille maintenant grâce à Elena aussi sur un générateur de frills. Donc vous avez toutes les vidéos sur la chaîne d'Elena avec Dan Willis. Donc je fais partie de l'équipe de Dan Willis pour travailler sur ce générateur et comprendre ce que c'est que cette énergie, ce frill. Donc ça, c'est encore un invité exceptionnel. Et nous avons un autre invité exceptionnel, peut-être beaucoup moins connu en France pour l'instant, Tony Rodrigue, qui est comme David, comme Jean-Charles, dans les programmes spatiaux secrets, son histoire est extraordinaire, comme Mélanie aussi. Sauf que lui, il a été enlevé par le mauvais côté de la force. Et son livre, Cérès, colonie cavalier, son témoignage était extraordinaire, avec tous les souvenirs qu'il a. Il va venir expliquer tout ça. C'est un témoignage incroyable, parce qu'il y a des informations sur les voyages dans le temps qu'il a fait. C'est fabuleux. Tout ce qui est raconté dans son livre et tout son témoignage est extraordinaire, même s'il y a son histoire est très très noire au début. Mais donc c'est un témoignage capital dans ce processus de divulgation. Et donc tout sera traduit bien sûr en français. Pas d'inquiétude, pas de souci à ce sujet-là. Il y aura une traduction simultanée. Donc ça c'est quand même exceptionnel d'avoir ces invités qui amènent l'exopolitique en France en fait, qui ouvrent une porte, hein. Et je voulais parler de l'émotion aussi, parce que l'année passée, Mélanie a présenté sa conférence sur son expérience dans le sauvetage des enfants, dans les programmes positifs spatiaux, notamment le programme Solar Warden, où elle travaille avec Jean-Charles. Il y a eu une émotion parce que la vérité a frappé le cœur de tout le monde. Mélanie, je veux dire que ton discours l'année passée a été aux Rencontres Galactiques a été activateur et c'était vraiment très très fort les révélations que tu as faites. Et là, tu reviens cette année avec de nouvelles divulgation, de nouvelles révélations. De quoi as-tu l'intention de parler? Parce que j'ai vraiment hâte Bonjour tout le monde, pour commencer. Oui, c'était vraiment des moments hyper forts, surtout que c'était ma première conférence l'année passée. Ensuite, on a fait une autre en Floride, de nouveau cette année en France. Ça va être vraiment grandiose encore une fois. Je vais parler similairement des mêmes choses de cette expérience qui était très difficile pour moi au début, qui ressemble un peu à l'expérience de Tony aussi, que je me suis retrouvée au même endroit que lui. Ça, c'était des moments difficiles, je vais en parler aussi. Je pense que ça l'avait. Ça avait été chercher beaucoup les motifs des gens aussi par rapport à toute cette expérience-là qui était plutôt difficile. Puis, on sait que beaucoup, beaucoup de personnes ont vécu ces expériences-là. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que justement, de raconter, de faire ces témoignages-là, puis de parler de cette expérience-là, ça va réveiller des mémoires chez les gens. Alors, évidemment, ça rend les gens hyper émotifs.
Et ben aussi, je vais parler aussi du côté un peu plus fun de ce qui est positif, des sauvetages avec les enfants, autant des enfants humains que des enfants hybrides, extraterrestres. Quand on parle des enfants, ça vient vraiment toucher les gens au plus profond d'eux-mêmes, c'est sûr. Puis, ben c'est ça, c'est les enfants, c'est ma passion, ça a toujours été. Je sais d'où ça vient maintenant. Et c'est ça, c'est de ce que je vais parler, des programmes que j'ai fait partie aussi avec Jean-Charles au niveau des sauvetages, puis de mes expériences un peu moins fun. Et j'aimerais ça aussi parler de notre lien à nous en tant que couple. Comment on s'est rencontrés, des autres vies qu'on a aussi ensemble, des autres connexions ailleurs qu'ici, qu'on a eues, qu'on a. Voilà. C'est une histoire, vous deux. Alors ça, c'est une histoire qui était tellement romantique et épique. Ouais, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. On s'avait donné rendez-vous ici, puis l'univers a conspiré pour qu'on se retrouve ici à nouveau, pour qu'on continue à œuvrer ensemble. Et Jean-Charles, je veux dire, toutes les divulgations que tu as amenées l'année passée, que tu vas rappeler à tout le monde cette année, les preuves physiques, les évidences, et c'est surtout au niveau des évidences de ton expérience, Jean-Charles. Parce que, je veux dire, il y a... Franchement, personnellement, je ne connais personne d'autre qui a pu amener autant d'évidences que toi. Ouais, j'ai eu la chance et j'ai toujours la chance d'avoir des parents extraordinaires qui m'ont toujours soutenu, protégé, caché auprès du monde parce qu'ils ne voulaient pas qu'on m'enlève avec les capacités que j'avais ou quand je faisais des pointes de température à 47 degrés, c'est pas normal, tu vois, surtout quand je suis cohérent et que je parle. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la divulgation dans lequel mes parents ont accepté justement de témoigner à visage découvert et sans se masquer le visage avec déformer la voix. Donc ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux que des parents puissent faire à un fils. C'est non pas seulement de corroborer ce que je dis, mais de corroborer parce qu'ils l'ont vécu avec moi. Ça, c'est important de clarifier parce que beaucoup de gens disent, ouais, mais ses parents, ils vont dire la même chose que lui. Non, non, non. Mes parents parlent de leur point de vue de ce qu'ils ont vécu avec moi. C'est complètement différent. Et ça, je suis vraiment reconnaissant et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Cette année, je vais parler de beaucoup de choses. Cette année est une année très importante et charnière pour l'humanité en 2024 parce que beaucoup de choses vont se passer dans la divulgation, comme m'a dit mon cher ami Chris. Et pas seulement pour ça, parce que nous sommes, Mélanie et moi-même, en train de rédiger notre livre sur notre vie. C'est pas de la tarte, hein, parce qu'on n'est pas écrivain qui veut, n'est-ce pas, ma chère amie? Et puis en même temps, le tournage de Révélation Starseed 3, ma connexion avec le Japon, qui va commencer à être tournée bientôt et qui va être complétée après avec notre voyage au Japon, avec des images et des gens, des historiens qui veulent me rencontrer, et beaucoup de personnes au Japon, puisqu'il y a une communauté qui, visiblement, c'est pas moi qui le dis, nous suit. Donc, ça va être une année incroyable pour tout ce qui va se passer au niveau ouverture d'esprit. Et je suis certain que cette conférence va marquer l'histoire, encore une fois. Oui, j'en suis tout à fait convaincue. Et ce qui est beau, c'est que nous avons tous un lien les uns avec les autres. Nous avons vécu des expériences similaires pour la plupart d'entre nous. Et il y a un lien magnifique aussi entre Jean-Charles et David. Vous êtes rencontrés dans l'espace quand vous étiez petit, dans ce programme de Solar Warden. Et puis, vous vous êtes retrouvés en adulte, et c'était très émouvant. Et l'année dernière, aux Rencontres Galactiques, vous vous rencontriez pour la première fois physiquement à nouveau. C'était très émouvant. David, tu t'en souviens? Quelle était l'émotion? C'était dur à gérer, je me souviens.
Bah, effectivement, oui, il y avait j'étais submergé en fait de sentiments, d'émotions. Il y avait tout un tas de choses qui montaient. Parce que effectivement, oui, c'était la première fois où je retrouvais Jean-Charles vraiment, on va dire, sur Terre, quoi, physiquement parlant. Parce que sinon, on se voyait régulièrement là-haut, quoi. Donc, mais sur Terre, c'est autre chose encore. En fait, le fait de retrouver, comme je le dis souvent, mon frère d'armes et d'âme, voilà. En fait, il y avait plus de mots qui pouvaient décrire ce que je ressentais à ce moment-là. Ça a été un moment très, 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 très important dans ma vie. Oui, et puis à chaque fois qu'on évoque ça, toi, comme en ce moment, par exemple, je me contiens parce qu'après, les gens vont dire, bon, qu'est-ce que c'est? Il pleure comme une madeleine. Là, oui, désolé, les amis, je suis sensible, ça existe. Et ça vient me chercher. Parce que la première fois, bref, que tu revois une personne physiquement sur la planète et que tu as les mêmes souvenirs, que la vie t'a mis les mêmes balises avec les petits livres, que tout est là, tout est là. On ne peut pas nier ce lien que nous avons particulier tous les deux, alors que nous ne nous connaissions pas, aussi bien pour ton livre que pour mon film, plus le lien que nous avons avec Elena. C'est quelque chose avec Tony, c'est la même chose pour Charlie, cet enfant qui venait dans sa chambre le visiter et qui en fait était moi. On n'est plus dans la probabilité, c'est colossal ce qui se passe. Et je suis très heureux qu'on soit encore de nouveau réunis parce que l'énergie qu'on va encore envoyer autour de nous, c'est de l'amour pur. Alors attention, quand je dis de l'amour pur, il va pas falloir encore partir dans le côté sectaire, etc. De l'amour, là, c'est universel. Okay? On en a tous besoin. Chaque être humain a besoin d'amour. Ce n'est pas parce qu'on dit amour ou qu'on dit à quelqu'un, t'es mon frère, t'es ma sœur, qu'on a un bonnet blanc et puis avec des gris-gris. Hein? Ça, c'est pas vrai. Il faut simplement décortiquer le mot. L'amour, c'est une énergie qui nourrit chaque être humain et qui fait partie de l'univers. Et ça, on l'a tous au fond de nous. Et ce qu'on fait, nous, en faisant nos divulgations et en expliquant notre chemin de vie, c'est qu'on diffuse cette lumière qu'on a reçu nous-mêmes, on la redistribue aux gens. Voilà ce que c'est pour moi l'amour. L'amour, Et oui. Je suis complètement d'accord. Et en fait, pour conclure là-dessus, je vais reprendre ce qu'on dit dans la culture Lakrota. En fait, il n'y a pas de moi-je, c'est nous. exact. alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que l'année dernière, Elena, tu dois t'en souvenir, tu as reçu l'information de Toran alors que tu étais avec Michael Sala dans sa voiture. Je crois, hein, c'est toi que t'es mieux placé que moi pour le dire, pour en Oui, parler, oui, et oui. que il a dit que le planning de divulgation, la divulgation était prévue pour l'été prochain, l'été 2024. Et donc, nous serons au cœur de cet été 2024. Et il y a donc là, on a donc la conférence et deux sessions le 6 et le 7 juillet. Pour la première session. Et la deuxième session, c'est le 9 et le 10 juillet. On sera 2 semaines avant le début des Jeux Olympiques. Et moi, je me dis, si la divulgation doit avoir lieu, ils veulent se montrer là-haut, quel meilleur moment pour eux de se montrer au moment des Jeux Olympiques. Par exemple, à la cérémonie de clôture, ça serait un truc, c'est le jour, si j'étais eux, c'est le jour où j'aimerais me montrer. C'est, voilà, je me mets à leur place, je me mets à leur place et je me dis que devant toutes les télés du monde, au moment de la cérémonie de clôture, s'ils nous mettent quelques lumières, quelques lumières gigantesques au-dessus du Stade de France, ça peut faire jaser, quoi. Mais avant ça, il faut préparer le public à un tel contact. Et c'est pour ça que... Et le 7, Oui. en plus, c'est la fête à Jean-Charles. Oh ben Tout oui, à quel fait. hasard! Tout à fait. Quel Quel hasard! hasard. L'anniversaire de Jean-Charles. Chiffre magique, hein, partout, le 7 Tout à fait. est un chiffre très très important. Donc en fait, ça tombe le jour de ma fête. Tiens, c'est fou ça. Et la deuxième session tombe aussi sur un jour très important pour moi, parce que le 10 juillet, c'est la date anniversaire de Nikola Tesla, qui est aussi Oh, ah un oui. acteur majeur, forcément, Ouais.
Dans la divulgation. Certain, Et donc, certain. c'est le Tesla Day, en fait. Le 10 juillet, c'est le Tesla Day. Magnifique, Ah. j'ai des frissons. Magnifique. Quelle Ça va être synchronicité, mon ami. grandiose. Ah Grandiose. ben oui. Et donc, voilà, si j'étais eux, voilà, ils ont une opportunité là-haut pour faire quelque chose de très, très grand cet été. Et eh bien, c'est pour ça que l'événement Contact, je suis convaincu qu'il va se passer de très, très grandes choses. Ils nous entendent, là. Ben oui, Oui, bien sûr, hein? bien Vous avez sûr, bien compris, sûr. là. Tout le monde nous Ils sont entend, aussi gênés. bien dans les deux Elena est en sens. contact. Elena est en contact Pouvez pas permanent. Et donc, cette l'écouter. conférence, on l'a Ouais. fait, mais c'est pour eux. Moi, en fait, moi, je l'organise, mais c'est pour eux. Je me mets à leur place. En fait, c'est un peu l'équipe au sol. C'est bon. De quoi ils ont besoin là-haut comment on peut les aider à faire avancer ce processus de divulgation pour ben, faciliter, voilà, de quoi ils ont besoin. Et on a choisi un cadre. Mais là, il y a la vue dégagée. On a prévu un spectacle de clôture avec un son et lumière, un petit son et lumière sur le lac du domaine donc de Valsoyaux. Et bien, avec la vue sur le Vercors, c'est un cadre. Ça va être extraordinaire. Donc là, s'ils veulent nous faire un show, ils ont carte blanche pour nous faire un show. Ils ont de l'espace, hein. Ah oui, là, c'est le lieu, mais c'est magnifique, magnifique. C'est très excitant tout ça. Oui. Vraiment, Oui, on est choyé de pouvoir être là avec vous tous. vraiment. C'est. J'ai pas de meilleur mot que ce que tu viens de dire. Alors, l'année dernière, tu disais en rigolant, Jean-Charles, dépêchez-vous d'acheter les billets parce qu'ils vont partir à toute vitesse. Moi, je ne savais pas du tout. C'était la première conférence que j'organisais et j'étais plutôt inquiet parce que je dis, bon, bah, est-ce que les gens vont acheter l'entrée? Et tout est parti eh bien, à 1 h du matin l'année dernière, quand on a fait le lancement de l'émission, à 19 ou 20 h, 19 h, je crois. À 1 h du matin, 85% des billets étaient Wow. vendus. En 11 h, hein, ça s'est Non, vendu en non, en 11 quatre heures. heures. En De 4 heures!19h, Je pensais que c'était à 1 h 11 du heures. matin, Oh, de 7, wow! bah, En 4 ans. My 85% de God. 7h du soir à 1 h du matin. Alors Et maintenant, les gens qui n'étaient pas là l'année dernière et savent ce qu'ils ont loupé, parce que des amis ont dit, oh, c'était vraiment génial, cette fois-ci, on ne loupera pas, plus le panel de speakers qu'on va avoir de conférenciers, c'est sûr que là, ils vont pas vouloir louper le c'est truc. clair. Juste pour dire, il y a des gens qui étaient là l'année passée qui reviennent encore cette année. Oui. Ils vont Oui. vouloir revenir Oui. encore cette année. Fait Ben oui. Ben que oui. Ben oui. s'ils reviennent, c'est parce qu'ils ont aimé ça, hein? Exactement. Il y a deux sessions. Ouais. Nous avions eu beaucoup de gens en liste d'attente, ben, parce que c'était saturé, en fait. Donc, les dernières ventes ont eu lieu le matin de bonne heure, hein. Et donc, dès le lendemain matin, c'était bouclé. Et nous avons eu beaucoup de gens en liste d'attente, ben, qui ont espéré avoir un billet. On n'a pas pu, donc on aurait presque pu faire deux sessions l'année dernière. Hein. Il y avait, avec toutes les demandes qu'on a eues en file d'attente, on avait de quoi faire deux sessions, mais on n'improvise pas une deuxième session comme ça. Donc c'est pour ça que pour cette année, on a organisé, ben, dès le départ, donc ces deux sessions, en espérant réussir à contenter, ben, tout le monde. Mais vu le succès là, il faudra ou le plateau, le niveau du plateau tellement élevé, bon, ben, je pense qu'il faut pas hésiter. Il faut se dépêcher effectivement, Moi, parce je dis que dans la que on a journée, qu'une. ils sont tous vendus. Dans la Alors journée. comment on fait? On va donner le site, donc l'adresse du site où acheter les billets. Donc ça devrait s'afficher sur l'écran. Chris, quelle est la procédure donc? Donc, le site, c'est rencontre-galactique.fr. Et donc, vous avez la présentation de l'événement, l'accès à la billetterie. Il y a donc les billets pour donc chaque session. Donc, vous choisissez session 1 le samedi, dimanche ou session 2 le mardi, mercredi. Il y a en option la possibilité de louer les casques audio, comme l'évoquait Elena. Il y a une traduction simultanée, que ce soit pour les personnes françaises pour écouter les conférences en anglais, ou que ce soit pour des personnes anglophones qui viendront et qui pour écouter les conférences en français. Donc il y a la traduction français vers anglais ou anglais vers français.
selon la conférence. Et donc, cette conférence est ouverte, eh bien, pour toutes les personnes qui parlent français ou anglais, ou qui comprennent le français ou l'anglais. Donc, il y aura les casques en option, sur le site. Donc, il faut réserver. Vous pouvez les réserver. On donnera une date limite pour la réservation des casques, à peu près 2 mois avant. Vous pouvez les réserver un petit peu plus tard, mais ne tardez pas. Voilà. Moi, je vais en réserver un Oui. pour comprendre bien Michael et Tony et Ben oui. Dan. Alors, moins un déjà. Ah, David, toi aussi? Ah oui. Même si je comprends dans l'ensemble, oui, après, il y a des langages techniques, plus techniques, j'ai eu un peu de mal là. Donc, dépêchez-vous et ça va être encore plus grandiose que l'année dernière si vous avez était là avec nous l'année dernière à Tours, eh bien cette année, c'est le niveau vraiment supérieur dans la divulgation, les preuves concrètes, les évidences, mais aussi le rassemblement de gens qui partagent une expérience. C'est l'expérience de d'avancer dans le futur, de d'avancer dans ce contact, hein. Donc, eh bien, j'ai hâte de tous vous rencontrer. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous, ne Oui. manquez pas ça. Très important. Merci à tous et à bientôt à Rencontre Galactique Contact. Ciao. Bye. À bientôt.